Les campeurs sont partis visiter la région. Comme tous les matins, Pierre a le camping pour lui tout seul et peut s'occuper du jardinage. Habituellement, le jeune homme de Lourdes y enchaîne les CDD, surtout dans le bâtiment. Un emploi de saisonnier, il s'en méfiait, mais ce camping lui a fait une offre difficile à refuser. Les emplois saisonniers, c'est vrai que c'est souvent des contrats. On sait que c'est souvent en bloc, mais bon, il y a aussi c'est des contrats de 2 mois. Et donc, trouver un emploi saisonnier de 7 mois, oui, c'est rare, c'est assez rare, oui, c'est une chance. Je ne me plains pas. Sur l'île, seuls quelques établissements touristiques proposent ce genre de contrat. Dans cette paillote au bout du Cap Corse, c'est aussi le cas. Dès le mois d'avril, elle a besoin d'une quinzaine de saisonniers. Et la plupart viennent du continent, voire d'Espagne, comme ces 2 commis de cuisine. Sur 15 employés, seuls 5 sont corses, et pour cause. Le cadre de travail, c'est pas pareil. J'ai mon père, il est restaurateur à plein campagne, un centre commercial, rien à voir pour la plage, les gens. Mais il y a quand même du boulot, ça c'est sûr. Ah oui, non, c'est sûr, il y a plus de boulot. Plus de boulot pour servir les 350 couverts quotidiens au cœur de l'été. Le salaire, 2 500 € en moyenne. Une somme alléchante, mais apparemment, cela ne suffit pas. Depuis quelques années, le gérant de la paillote tente de fidéliser ses équipes. J'essaye d'avoir toujours le même noyau. Et bon, après, il y en a qui trouvent des places à l'année, donc le problème est meilleur. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué ? C'est de plus en plus compliqué parce que les jeunes n'ont pas envie de travailler, ce système qui veut ça. Le manque de candidats s'explique surtout par la demande. Dans le secteur touristique en Corse, 88% sont des saisonniers, soit plus de 15 000 postes à pourvoir chaque été. La condition sine qua non pour être prêt quand le soleil et les touristes referont enfin leur apparition.